Salam alaikum, cette vidéo, nous allons parler de l'intersection des deux ensembles Donc soit A et B, deux parties d'un ensemble E Et dans l'ensemble E, il y a l'ensemble qui peut aller à l'intérieur de l'ensemble A L'intersection de A et B, notée comme ça est l'ensemble des éléments de E qui sont dans A et dans B Donc qui est pas A ou qui est pas B, c'est-à-dire qui est A ou B Et quand A A ou B, c'est comme B. A, B. Donc, l'intersection, on a les éléments, l'ikininf A ou B. joue, à la fois dans A et dans B. Donc, la brinque pour A inter, inter, B par compréhension. Donc, on a les éléments de E. Donc, E, à l'ensemble, l'effet Kulchi. Tel que, X appartient à A, A, X appartient à P. شوفوا بعض الامثله دونك هنا انا زيرو واحد جوج هنا جوج تلاتة اربعة اذا العناصر المشتركة بيناتهم كاين غير كاين غير جوج اذا هي سانكلوطون دو كنلاحظو هنا اي اليمون من Q راه هو كاين في كو و في اخ لان كي ايت انكلو دونك هي هي كلها مولا لانفيني ان موال لانفيني ان موان زان لانفيني دونك نديرو في موان زان ان آه زيرو موان مولا ان هو هذا و موان زان لانفيني هو هذا اذا تلاحظوا بلي موان ان المشكل في ان آه موان واش داخلين ولا ما داخلينش ان

donc, on va faire L'intervalle joue à l'intersection intersection ma n. Donc, on voit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va un Donc, on va faire un jeu. Donc, soit AB2 partie dans l'ensemble E, on a. Donc, machine une définition par compréhension, x qui est l'intersection, si seulement si il vérifie la propriété, les y a x appartient à a, et x appartient à b. Donc, on a alors, la a les de Soit a, b et c des parties d'un ensemble. Alors, on a donc de quelques propriétés, les résultats l'intersection. Donc, a inter b égal à b inter a. L et j'ai la loi logique, quel que soit X appartient à E. Donc X appartient à A inter B, mais on a dit X appartient à A et X appartient à B. on a dit X appartient à B et X appartient à A. Et on a les lois logique que P et Q, deux assertions P et Q, P et Q équivaut à Q et P. Donc, okay, la commutativité. Nous avons le terme, c'est si la loi logique qui s'appelle école P et Q et R équivaut à P et Q et R. Nous avons inter terme, l'ensemble vide, l'ensemble vide, il y en a un l'élément. Chargé à l'ensemble, il y en a dans l'ensemble, tout simplement fait un élément. ne donc, il y en a un fois, ce n'est pas une union, donc on va mettre union c'est intersection. A inter E, c'est ce n'est pas E, c'est donc A inter E, c'est c a. a. Il y a un élément qui est à a, a, donc pour tout X appartient à A. X est un élément commun entre A et E. Donc, bien sûr, A est un, A est un cliff E. Donc, on dirait un schéma, dit E, on a, a. Donc, l'intersection, vous le voyez, on voit, on voit A. Intersection, il A. Donc, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. Montrez que A est inclus dans B, si et seulement si A inter B égale à A. Il y a une équivalence montrée par double implication. Donc, double implication là, là Supposons que A est inclus dans B. Et montrons que A inter B égale à A. Donc, soit X partient à E, Oh on a x appartient donc on montrer l'égalité donc montrer on a par double inclusion x appartient à inter b implique que x appartient à et x appartient à p. Implique donc P et Q implique P. X appartient à B. Donc, nous avons un A, donc nous avons a P qui est de la loi logique. P et Q impliquent P. Et le Q, nous avons un X, nous avons montré un A inter B est inclus dans A. Donc, nous avons A, X appartient à A. Donc, vous voyez, nous avons un stérminage qui est l'hypothèse. Le stérminage est l'hypothèse que A est inclus dans B. Il y a un A de l'inclusion. A inter B.

À a implique que x appartient à A. Ou X appartient à A. Donc on a déjà on a supposé que A est inclus dans B, donc X appartient à B. Donc à la loi logique. P implique Q, et P implique R, alors P juge alors P implique Q et R. Donc on a P implique P, a X appartient à A implique X appartient à A, P implique P toujours vrai, et X appartient à A implique X appartient à B, l'ANA A est inclus dans B. Donc ça implique que X appartient à A inter B. Donc l'ANA BI double, double inclusion.

montrant que A est inclus dans B. Donc pour montrer que A est inclus dans B, on prend sure. les implications. Soit X appartient à E, on a X appartient à A implique. Donc on a A est, est égal à A inter B. Donc X appartient à A inter B implique X appartient à A et X appartient à B. Implique, je ne sais pas si on a un donc X appartient à P. Donc A est inclus dans P. Soit A et B, c'est des parties de E, montrer que on a l'équivalence, donc BDO, sens direct. Donc, supposons. Si que A est inclus dans C et A est inclus dans B donc soit donc soit X appartient à E on A donc ça montre l'inclusion, donc X appartient à A, implique X X appartient à B et donc, c'est euh, évident. Donc, x, a, a, a est inclus dans b. Donc, x appartient à a implique x appartient à b. Donc, nous On a x appartient à a implique x et. Donc, j'ai et x appartient à a implique x appartient à c. Donc, x appartient à a implique x appartient à b et x appartient à c implique que x appartient à b interc. Donc obtenir, j'ai la loi, p implique q, p implique r. Si p implique q et p implique r, alors p implique q et r. Donc le sens la Donc supposons que A est inclus dans B inter C. Montrons que A est inclus dans C et A est inclus dans B. On a, donc la masse un X, on a B inter C est inclus dans C. Et B inter C est inclus dans B. Donc... A est inclus dans B inter ou B inter est inclus dans C. Donc A est inclus dans C. On va obtenir A est inclus et A est inclus dans B. Et alors que je fais une vidéo de saber quand E est inclus dans F. Et F est inclus dans G, alors E est inclus dans G. soit A et B deux parties de E, montrer que. Et donc, on va essayer de montrer ce qu'on a dit. Donc, soit, donc, on a, on a une partie de E, donc, soit, soit X, soit X appartient à P de E, l'un est l'ensemble du cube -là. On a x appartient à P inter B équivaut donc machin le vidéo est x donc P de l A inter B on a l'ensemble des parties de A inter B donc x est un élément de de l'ensemble c'est-à-dire que x est inclus dans A inter B équivaut donc, d'après euh, la proposition, le A est inclus dans C et A est inclus dans B. Alors, A voilà, équivaut A est inclus dans B inter C. Donc, X est inclus dans A et X est inclus dans B équivaut que X appartient à P de A et X appartient à P de B équivaut à x appartient à l'intersection p de a inter p de p. Soit a et c deux parties d'un ensemble e. Soit b et c deux parties. Donc il y en a a et c, on a b et d. C'est pas c, donc c'est b et d. b et d deux parties d'un ensemble f. Montrer que donc, là, on a un élément. Donc, on a des couple, On a des produits cartésiens. Donc, soit x y appartient donc l'ensemble a, a E fois F. On a x y appartient à A fois B. Interc fois D équivaut donc là on a l'intersection donc un élément qui euh, fait l'intersection c'est à dire que X Y appartient à A fois B et X Y le couple X Y appartient à C fois D équivaut donc, x, y appartient au produit cartésien de A fois B, et x qui est en A ou y qui est en B. x appartient à A, et y appartient à B, Et donc normalement, on a l'acquat, c'est-à-dire qu'il coule le chiffre A, ce n'est pas un problème. x appartient à C, et y appartient à D. Donc, le E est associatif. Donc, x appartient à A, j'ai x appartient à C, non et, y appartient à B, et y appartient à D. Donc, x appartient à A. x appartient à x appartient à C. Donc, x appartient à l'intersection. Et, y appartient à l'intersection B inter D. Équivaut, on a le couple X, Y. Donc, x qui est un A inter C. fois, y appartient à B fois D. Donc, x, le couple x y appartient au produit cartésien A inter C fois B fois inter B inter D. Donc, à de l'ensemble égal à de l'ensemble. Et un dans fait vidéo 4.